Hey, 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 cucu mes petits culs, aujourd'hui on se retrouve pour un petit speed build. Ça faisait longtemps que je n'avais pas construit et j'avais commencé ce petit speed build, ce petit construit à la sortie d'île paradisiaque et je me suis quand même hâtée de le finir pour vous le sortir aujourd'hui puisque je devais bien combler le dimanche soir, dimanche après-midi plutôt. J'enregistre un peu en speed la voix off, je pense pas que je ferai très longtemps la voix, mais c'est pas grave. En gros, l'histoire de ce petit speed build, j'ai voulu, en fait, comme on voit des fois aux Seychelles, je ne sais où, des petits îlots qui sont comme ça, là, au milieu de la mer et tout ça. Et en fait, c'est normalement des chambres toutes séparées pour allouer et tout ça. Mais là, en fait, dans cette construction, c'est une seule maison divisée en plusieurs pièces. Comme vous pouvez le voir, on a une cuisine énorme avec qui a salade à manger qui est avec. Nous avons un salon qui a une vue superbe. Nous avons un îlot qui sert de salle de bain avec plein de douches et de toilettes et tout ça. Enfin, il y a vraiment de quoi faire pour toute la famille et les invités. En tout cas, c'est un peu, ça fait un peu mode camping dans cet îlot là. C'est assez rigolo. On a après un îlot qui est spécialement en chambre pour enfants. Il y a quand même 3 chambres à l'intérieur. Il y a un autre îlot qui est spécial, Bamba et Bébé. Ouais, ils ont de la chance, je sais. Mais après, c'est à mélanger, je les ai même pas divisés, ils se partagent tout. Et le dernier îlot avec une vue aussi magnifique sur le large, c'est la chambre parentale. Et je me suis beaucoup amusée et surtout, j'ai essayé de jouer avec le décor qu'il y avait des îles paradisiaques de Sulani pour mettre en valeur, en fait, donc avec les vues depuis le salon et depuis la chambre. C'est un peu ces deux vues-là que je voulais mettre en avant. Et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Pour les couleurs et tout ça, je suis un peu sortie de ma zone de confort avec le salon qui est un peu dans le mode orange-rouge. Et en fait, c'est un orangé un peu... je sais plus trop le nom, mais ça sort un peu d'habitude. Et j'ai trouvé que l'ambiance est super mignonne. Puis après... c'est assez entre guillemets classique. Le jeu, normalement, les décors sont du jeu de base et d'île paradisiaque. Il y a peut-être quelques items qui sont des packs gratuits, vous savez, des packs des fêtes. Mais normalement, la construction est entièrement faite avec île paradisiaque et le jeu de base. Donc, si vous n'avez que ces deux choses-là, vous pourrez télécharger sans problème l'îlot. Alors, bien sûr, n'étant pas là ce dimanche, je ne pourrai pas vous partager tout de suite la maison. Le terrain, faudra attendre que je rentre et à partir de là, vous pourrez le télécharger. Et si vous regardez bien sûr plus tard cette construction, normalement, ça devrait être sorti et disponible sur ma galerie, sur la galerie Argent Shirley. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a quelques petites choses à aller voir, à télécharger. Si vous avez besoin de famille aussi, pourquoi pas. C'est gratuit, c'est dispo, donc allez-y, allons-y. Hein. Oui, là, je commence à faire un peu le salon. J'ai voulu sortir un peu de... des trucs un peu classico-classiques. J'ai fait deux parties, une partie télé, on regarde tranquillement, une autre partie qui est un peu plus cool, un peu plus zen, face à la vue et face sur les coraux qui sont pile là, à nos pieds. Et c'est magnifique. C'est vraiment un opus très très beau, hyper paradisiaque. Ils ont vraiment très très bien bossé là-dessus. Il vaut vraiment le coup. Et même si notre Sims y vit là, tous les jours, il va bosser tout ça, on a l'impression d'être en vacances en permanence. Donc c'est top. Du coup, moi, je vais déjà vous laisser pour cette petite vidéo. Elle continue, elle est beaucoup plus longue que ça. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous me verrez galérer, vous penserez à moi comme vous me verrez galérer dans la chambre parentale avec la tête de lit. J'ai beaucoup galéré, mais au final, j'aime beaucoup ce que j'en ai fait. C'est très mignon et ça change. Ça change quand même et j'espère que ça vous plaira aussi. En attendant, je vous fais des très gros bisous et puis n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit com et à vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous retrouve très très vite en live ou en vidéo. Je vous embrasse, continuez la vidéo. Je suis partie. Des bisous, salut. Thank you.
Thank you.